Alors, montée de niveau, super. Vous ne pouvez pas vous reposer après. Non mais, je me suis pas dépensé. Je ne me suis pas dé. Je suis. Je ne me suis pas dépensé. C'est une blague. J'espère que c'est une blague, ce qui se passe. Portail des ombres. Statue de bouclier. Non mais. Ok, je vais devoir continuer à jouer comme ça. Des ennemis sont en vue. C'est horrible en fait ce que le jeu m'oblige à faire. Oui, bah va te monter full toi. Il a combien de niveaux de retard lui? Il a beaucoup de niveaux de retard. Ah oui, il en a beaucoup trop même. C'est une blague. Ah, ça y est. Bon. Entendu. C'est dans mes corps. Toi aussi, t'en as beaucoup, je pense. Oui, c'était sûr. Bon. Alors. On va faire une sauvegarde ici. Au secours. Est-ce que je peux me soigner? Me reposer un coup, s'il vous plaît. Toujours pas. Toujours pas. Donc je vais devoir jouer la fin du jeu nul. Je peux le faire. Et si je peux bouger un petit peu quand même. Non, d'accord, j'ai pas le droit. Parfait. Blesse quelqu'un. C'est une blague. Enfin, je me demandais quand tu allais rappliquer. D'ailleurs, je m'étonne que tu en aies eu le cran. Aucune idée. J'étais avec vous tous, et l'instant d'après, je me suis réveillée ici. Je n'étais pas seule. J'ai profité du calme pour discuter de certaines choses avec quelqu'un de plus loyal que tu ne le seras jamais. Attention ! Ah, Garius, j'avais bien reconnu ton odeur fétide. Ainsi donc, tu es parvenu jusqu'ici. Impressionnant, je l'avoue. Mais qu'espérais-tu donc accomplir? Vous avez largement contribué à enrayer notre effort de guerre. Vous en serez puni, et vous seul. Oh, vous pensez donc que j'ai agi contre son gré? Notre conversation promet d'être éclairante, ironiquement parlant. Vos compagnons, je suis prêt à leur dispenser ma clémence. C'est vous qui les avez entraînés jusqu'ici, après tout. J'en ai déjà discuté avec votre ami Nishka. Et d'autres parmi vos alliés. Vous l'avez senti, votre petit groupe est déjà rongé par les dissensions. Qu'il s'agisse du chemin qui mène au pouvoir, de négligence, ou peut-être de quelqu'un apte à réfléchir par lui-même et à reconnaître son véritable ennemi. Méchant, ma dette envers toi est soldée, chevalier capitaine. J'ai attendu avec impatience. Toi aussi, j'en suis sûr. Ça aurait pu marcher d'une certaine façon. Mais tu es loin de m'inspirer un respect sans faille. Pas plus que ton oncle. Pense que ça change. L'heure n'est plus aux justifications. Jusqu'à présent, tu as négligé d'y prêter la moindre attention. Et bientôt, rien n'aura plus d'importance. Disons seulement que l'autorité m'insupporte. Et ton oncle et toi est un poil trop impérieux pour mon goût. Bien sûr, ton oncle mis à part, ta complicité avec ce crétin de paladin m'a toujours exaspéré. Mais tout cela n'a guère plus d'importance maintenant. Tout a un prix. Et votre traîtrise vous coûtera plus que vous ne le croyez. Et te ranger du côté des perdants te coûtera la vie. Tu n'as jamais eu la trempe d'un chef, même investi du pouvoir du rituel et de la lame de Git. Tu crois que tes compagnons te suivront aveuglément jusqu'à la mort? J'en doute.
Le choix est simple, Garius. Combattez, et c'est à nous tous que vous aurez à faire. Bien sûr. Demandons-leur leur avis, et voyons ce qui en ressort. Cher, cher Mishka, commençons donc pour bien enfoncer le clou par ton plus illustre compagnon. Elle voyageait avec vous de longue date, presque autant que le nain. Peut-être est-ce le peu de cas que vous faisiez d'elle, votre mépris à son égard, qui l'a rallié à ma cause. Les royaumes ne l'intéressaient déjà guère, mais votre attitude à son égard n'a fait que la conforter. Elle a compris que ce plan pitoyable n'avait aucune importance. Le futur que je lui réserve, lui, regorge de possibilités pour qui saura les saisir. Tu ne peux plus m'ignorer maintenant, hein? Tu m'as sauvé sur la route de Forlock, et puis plus rien. Les autres se sont joints au groupe, et c'est comme si j'existais plus à tes yeux. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant. Quand je faisais ce que je voulais, et que je me moquais de ce que les autres pensaient, y compris toi. Ça te va bien de dire ça. Mieux vaut le diable qu'on connaît. Il n'y a rien à ajouter. Tes alliances se disloquent une à une. Lequel de tes alliés t'abandonnera à son tour? Sand, je sais que vous avez fréquenté la tour des Arcanes. Les reliques que vous avez pu y admirer ne sont rien comparées aux secrets d'Ilfarn. Le pouvoir que vous convoitez est ici. Je puis vous laisser corriger certaines injustices. Aussi tentante que soit la perspective de compter parmi les nombreux ravageurs que nous avons terrassés, je décline l'offre. L'avenir est incertain pour eux, comme pour vous. Et d'ailleurs, cette jeune fille a besoin de moi pour contrôler son pouvoir, ou il en résultera un désastre, et je ne le permettrai pas. Voilà que se pose la question du contrôle. Je ressens ton indignation, Kara. Ton pouvoir se nourrit de ta colère, et ces faibles qui prétendent te comprendre, ils n'aspirent qu'à brider tes ambitions. Ce pouvoir que tu détiens, imagine le décupler, le centupler, affranchi de toute contrainte, de toute limite. Tous ces mensonges proférés par les maîtres de l'Académie et ton père ne seraient rien face à un tel pouvoir. Que peux-tu encore apprendre des pitoyables mages de Badiver? Peu de choses, je pense. Leur temps sur ce plan est compté. Et tes compagnons ont-ils témoigné le moindre sentiment à ton égard, si ce n'est de l'hostilité? Ils ne sont qu'un ramassis de crétins obtus dignes de l'Académie. Quiconque de sensé s'en séparerait. Choisis ta propre voie, mon enfant, et je te guiderai vers le pouvoir. Je me serais ralliée à vous, même si Sand en avait fait autant. Je suis lasse de ces faibles qui me donnent des ordres, alors que c'est moi qui détiens le pouvoir. Ce que j'ai toujours craint est arrivé. La fille a perdu l'esprit. Vous êtes maintenant notre ennemi, Kara. Et Amon Jero, l'histoire peut être réécrite dans l'heure. Vous pourriez être libéré de vos allégeances et de vos souffrances. Il n'est rien que mon maître ne puisse accomplir. Les pactes qui vous lient aux Légions Infernales peuvent être aisément rompus. Il suffit d'en avoir le pouvoir. Quant aux Kitianki, nous les anéantirons. Et vous n'aurez plus jamais à vivre dans la crainte. Et votre bien-aimé Chandra. Sa mort n'est pas irrémédiable. Nous la ramènerons d'entre les morts et vous apprendrez à la connaître. Vous pouvez toujours promettre tant et plus, Garius. Mais notre chef en a déjà accompli bien plus que vos vaines promesses. Garius, pour avoir osé prononcer le nom de Chandra, j'aurais plaisir à vous voir mourir. Cela valait la peine d'essayer. Pardonnez-moi, une simple précaution pour protéger le portail des effusions à venir. Après tout, l'arrivée du roi des ombres
proche. Tu ne vivras pas pour y assister. D'accord. Donc je vais me retrouver à me battre contre Kara, Nishka. Nishka, je m'en fous, mais alors Kara, le nombre de fois où je l'ai joué et elle me trahit, c'est chiant. Non, là vraiment, c'est chiant. Le jeu au secours. À la fin, on va te dire, hé, vas-y, amuse-toi maintenant. Allez, salut, bisous. Est-ce que par hasard, du coup, j'ai plus de cheat? Et il faut que... Ah, ok, alors. Est-ce que... Faut que je recommence tout. Faut que je recommence tout. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Non, mais je vais finir le jeu, mais je vais le finir vraiment, vraiment sans aucun honneur, sans envie. Genre, il n'y a plus rien actuellement. Il n'y a plus rien. Voilà, donc la triche partie 2. Hein. J'ai repéré des ennemis. La triche partie 2, je m'en fiche là. Il y a Schwer qui est mort. Non mais. Ah, utiliser. Non. Dans les chaînes de l'horreur, je l'ai plus. Bah non, je l'ai plus, la chaîne de l'horreur. Si, chaîne de l'horreur, ici. Faut que je fasse quoi là? Je vais peut-être la casser. Forcer, tiens, voilà. Non mais. Force. Cette chose repousse mes attaques. Force. Utiliser. Mon arme n'a aucun effet. Mais il y a des trucs que je comprends. Bah. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai repéré des ennemis. Bah, je vais chercher. Je vais chercher quoi faire en fait, tout simplement. Ça ne durera pas. Bah non, là il va faire le tour. Allez. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok. Eh mais. Ah mais je peux pas aller là-bas, d'accord. Ah. Kara. Ah bah ok, fallait que je passe en arrière. Kara. Kara, ma grande, tu vas crever. Moi je pensais que t'étais ma pote, mais en fait t'étais une enfoirée. Voilà, Kara va mourir donc rien à faire de Kara. Tant pis. Suivez-moi. Et allez, tous sur Nishka. Nishka aussi, c'est une traître. Voilà. Amanjiro. Toi, tu vas là. Ah mais tu peux pas. On est bloqué. Ah, il est bloqué, ok. Bah, fais quelque chose. Bishop, t'es un salaud aussi. Attends. Ce que lui va faire. Amanjiro. Ouais, le ravageur des ombres. Il est pas là. Nishka est encore en vie? Sort de question. Sort de question qu'il lui est encore. Coinçons-les. Quel gars? Quel gars? Quel gars? Quel gars, c'est quand tu veux, hein, quel gars. Quel gars, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Putain, mon personnage aussi, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Ah mais on est tous on est...
On est tous en piège? En piège, oui, c'est ça, on était tous en... Ah non, mais il est Keblo. Ah non, mais il est vraiment Keblo, en fait. C'est une blague. Ah non. Oh la vache, on est Keblo. Ah, Garus, ok. Donc, Amanjiro. Activer l'objet sur Garus. Est-ce que... Il a utilisé l'objet ou il n'y a pas besoin? Il n'y a pas besoin. Bon bah Garus, hein. Allez, je peux pas bouger là. Eh hey, mais au secours, je peux rien faire. Quel gars il est Ah si, quel gars il peut bouger. Enfin. Il est où Garus? Sur Garus. Voilà. Ah, Garus il perd de la vie quand même un peu. Voilà, Nishika au revoir, Garus. C'est très horrible actuellement dans mes oreilles là. Et je peux pas, je peux bouger nulle part. Bien sûr que non. Il est où? Il est mort, Garus là? Je crois qu'il est mort. Bon, on va s'occuper de lui. Ah non, il est là. Allez. Faut mourir, hein. Garus, c'est fait. Et du coup, le portail. Non. Why did they choose to side with him? It makes no sense. Mais ils étaient nos amis. On les a perdus, comme on a perdu Chandra. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Les ombres suscitent de nombreuses tentations, mais aussi vides de sens que l'ont été leurs morts. Le portail s'ouvre, on dirait. Et quoi qu'on essaye de faire. Mais je le jure sur ma barbe, je me battrai. Nous n'avons pas abattu tout ce chemin pour abandonner si près du but. Il doit exister un moyen d'abattre le roi des ombres. Si les cadavres de nos anciens alliés recèlent quoi que ce soit d'utile, prenez-le. Il faut tous les atouts possibles pour survivre. C'est pas fini encore. Eh vas-y, c'est commencé à être énervant cette histoire. Genre vraiment ça commençait très nerveux. Est-ce que tout... Bah oui mais non, bah tout le monde est mort en fait. Ah, repos déjà pour commencer. Comme ça. Hop, c'est fait. Chandra, je suis déçu... pas Chandra. Kara, je suis déçu de l'avoir perdu. C'était mon meilleur allié. Elle m'a tourné le dos. Je suis... triste. Je suis juste triste là. Bon, Garus, hop. La cible n'a ni argent ni que dalle. Nishika. Putain, Nishika, je lui avais tout donné. J'avais tout donné. Bon, en même temps, la moitié de ces trucs ne me serviront plus à rien. Bishop, c'est un fils de. Voilà, en plus, je lui avais donné des trucs trop cool. Eh ben, écoute. Allez, on y va. Il est où le roi des ombres là? Alors,
Tac 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 tac. Non. Non. Bah ok, bon. Bon bah les quêtes elles sont un peu. Sont un peu nulle part. Ah, portail. Let's go. Du rituel, eux seuls peuvent venir à bout de lui. Alors non, comment ça utiliser le pouvoir du rituel? Attends, comment ça? Le pouvoir du rituel. Ah, les chaînes et les trucs et les machins. Ouah, wow, t'es sûr. Et les statues. J'espère que c'est ça. T'es en train de me dire. Ok. On va de purification. Wow. Ok, d'accord. Oh, oui, c'est épais. Par contre, attends. Hop là, voilà. Non, chaîne de l'or. Ah oui, par contre, il y a plein de gens qui meurent. Bah, c'est mon premier test, hein. Et ça a l'air de marcher pourtant, hein. Ça a l'air de marcher, ouais. Alors attends. Il me faut pureté, chaîne d'or. D'accord. Et aura de purification. Il se passe quoi? La présence du roi des ombres est toujours palpable. Les statues! Oh non! J'espère que c'est une blague. Ça, c'est une blague. Elle est pas drôle du tout. Elle est vraiment pas drôle du tout. J'ai envie de canner. Ça, c'est vraiment pas drôle. Et là, c'est des mobs possibles à battre. 100%. Ah, quoi. Oh, quoi que. Des bêtises. Oh là. Allez, vas-y, dépêche-toi, tuez-les. Oh, il y en a de plus en plus, c'est une blague. Oh, je sens que je vais passer un excellent moment, moi. Mais allez! Faut que je désactive les statues. Et ça? Ça sert absolument à rien. Non mais vraiment.
protège. Prends ça. C'est une blague encore. Et ça se régène en plus. Non mais vraiment quoi. Ah mais... Y a rien de marrant, y a rien de fun dans ce combat. Y en a trop. Y a trop d'ennemis là. Comment voulez-vous que j'y arrive? Bah non mais ouais mais non c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle, c'est nul, c'est à chier. On va recommencer encore à tricher, super. Non mais trop bien le jeu vidéo, hein. J'adore. C'est pas normal de devoir faire ça dans un jeu vidéo. Genre, vraiment, c'est pas normal. Tac, tac. Allez, et ben on est reparti, encore une fois. Bon, j'en ai fait quelques-uns. Pas tous, mais au moins les principaux, comme ça. Allez, maintenant t'as intérêt à en tuer le maximum, toi. Putain, en tuer le maximum, hein, mais... Qu'est-ce qu'il comprend pas d'en tuer le maximum, hein. Allez, on se dépêche. Mais il y en a plein, au secours. Il y en a trop même. Il y en a d'autres? Non. Mais... Faut que je fasse quoi? Faut que je détruise des statues là? C'est ça la blague? Allez. Examinez. Cet objet n'a rien de spécial, forcé. Cette chose repousse mes attaques. Non, bah non, mais je sais pas, mais faut que je fasse quoi du coup là? Est-ce qu'il y a un truc à faire avec des... Ah non, il y a rien à faire. Il y a complètement... Non mais... Il y a pas un truc, un machin, un bidule. Non. Bah non, bah pour battre, bah je sais pas. Moi je combat jusqu'au bout. Je sais pas s'il y a un truc, je sais pas ce qui se passe. J'ai aucun indice. Ah si, il y a un pilier. Ah si, c'est ça en fait, il y a un pilier. Il y a un pilier, faut battre tout le monde. C'est débile. C'est con. Là vraiment c'est con. L'une des statues est détruite, bah non. Et je mets 0 de dégâts, c'est une blague. Allez. Ah mais je touche personne. Donc là la phase c'est vraiment tue tous les rois des ombres pour libérer les statues. C'est nul. C'est nul. Vraiment, c'est la pire chose. Il y en a encore un. C'est vraiment le pire phase de gameplay que j'ai vu de ma vie. Hein. C'est là, ça rallonge le jeu pour que dalle. Hein. Non mais occupez-vous de lui, moi je récupère mes sorts. Hein, hein, on fait comme ça. Ouais mais allez-y, vas-y, vas-y. C'est non, je n'accepte pas ça, c'est nul. C'est vraiment décevant. Aura de purification, elle est où? Chaîne de l'aurore, bah c'est la dernière statue que... Hein, c'est ça? C'est celle qui est là-bas, ouais. Allez, allez maintenant faut le battre lui. Allez. Allez, faut le battre maintenant, hein. Putain, il est où, quel gars? Et quel gars, faut... Quel gars, mon pote, intérêt à te battre, hein. Miné. Putain, le pathfinding... J'en suis un.
Et aussi sec, un autre se pointait. Steel yourselves. This is not over. Et dire que je le trouvais déjà immense. Je n'avais encore rien vu. Le roi des ombres utilise les statues pour gagner en puissance. Pourquoi se sont-ils retournés contre nous? C'est insensé! Ok, donc là j'ai tout qui s'est mélangé. J'ai tout qui s'est mélangé, mais je vais tout couper. Donc là, c'est bon, c'est la phase finale et il faut casser toutes les statues. Et vraiment là, il y a intérêt à ce que ce soit la fin après, parce que moi j'en peux plus. C'est une fin, je le redis, je le répète, horrible, nul. C'est nul. Y a pas de mot. Allez, maintenant faut casser les statues. Allez! T'as brisé les statues là! Allez! Brisez les statues! Hein. Quelle guerre! Forcé! Moi je vais casser les statues hein! C'est ce qu'ils veulent! Ah! Allez! On va se mettre à deux sur les statues, je pense! Hein. Comment il va lui? Bon, il s'en sort. Ah, on y est presque. Ok, une statue. Deux statues. Non mais... Ok, deux statues. Ensuite. Alors, tac, tac. Là. Forcer la statue, quel gars. Forcer la statue. On se met à deux sur les statues. Hein. Ça, vous continuez à malmener. Ouais. Forcé. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Allez, plus vite. Il y a des morts, les gars. Dépêchez-vous, hein. M'en fiche. Ok, ça, c'est bon. Ensuite. Statue forcée. J'ai encore celle-là forcée, hein. Putain, mais... Il... Je comprends pas le pathfinding. Allez, on se dépêche. Lui, normalement, ouais, tant que j'ai pas cassé, ça bougera pas. Ça va se casser. Allez. C'est bon. Je peux le faire. Allez. La dernière statue et normalement c'est bon après. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. Il y a déjà 4 morts, tout va bien. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. C'est bon. Allez. Et maintenant, on va l'attaquer. Et maintenant, on l'attaque. Attends, mais il en reste... Il reste. Mais non, mais j'ai tout cassé. Attaquer le portail avec la lame d'argent. Attaquer le port. Il est où le portail? Il est dessus. S'il est dessus, je vais m'énerver. Il est où le portail? Non, toi. Ah, il est là, stop. Portail PNG. J'arrive pas à... Ah, attaquer. Attaque. Ah, attendez.
Capacité spéciale. Non. Attaquer le portail. Attaquer. Voilà. Ouais, vous savez quoi, j'ai pas envie de mourir. Voilà, je le fais là, j'ai pas envie de mourir, très clairement. Allez, le portail, allez le portail, allez, on y est presque. Ok. Ça y est, il perd des PV. Je pense. Je pense qu'il perd des points de vie. Et quel gars, j'ai pas envie qu'il meure. Parce que quel gars, c'est celui qui est le deuxième plus fort de ma team. Bon, c'est bon. Il est... Mais j'ai utilisé un code. Mais je vais crever alors. Mais c'est une blague. Oh. Putain, le jeu il respecte même plus quand j'utilise des codes. Oh. Non mais c'est... Voilà. Ok. Bon bah je suis tout seul et je vais faire zéro dégâts. Ah mais attends, non, attends. Hop. Sur quel gars? On fout, hein. Attends, qu'est-ce que... Quel gars? Résurrection. Sur quel gars? Voilà. Allez, allez. Non mais il faut... C'est une blague. Putain. Mon personnage, il est con, là. Mon personnage, il est si con... C'est déprimant. Résurrection. Quel gars. Allez. Voilà. Et là, lui, on lui casse sa gueule maintenant. Quel gars maintenant. C'est pas drôle ce que je suis en train de faire. C'est vraiment pas drôle. Hop. Ok. Hop, hop. Hop. Voilà. Allez, maintenant, on lui casse la gueule. Ne vous relâchez pas, il ne tiendra plus très longtemps. Bah oui, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, c'est pas drôle là par contre. C'est long pour rien. C'est énervant. Au secours. Sa barre de vie, elle descend pas. Je m'amuse plus. Mais je l'attaque ou pas moi derrière? J'ai Amonjiro qui est en train de tout donner. Il me reste vraiment. Ah mais attends. Je vais aller Kazavir. Je vais le raise. Non mais... Eh mais faut arrêter de bouger. La hitbox quand il bouge, au secours. Hein. Pire hitbox. Allez, on y est presque. Allez. Allez, on y est presque. Allez, il a plus de vie.
Et lorsque le dernier coup fut porté, le roi des ombres, l'antique gardien d'Ilfarn, trouva enfin le repos. Mais tandis qu'il expirait, le pouvoir d'Ilfarn, enfin libéré, propagea une onde destructrice à travers la forteresse des ombres. Les murs se déchirèrent, et un déluge de rocs s'abattit sur les valeureux héros et leurs chevaliers capitaines. Ils fuirent à travers les tortueux corridors de la forteresse, alors qu'elle se disloquait autour d'eux. En vain. Bientôt, ils furent pris au piège. À plusieurs lieues du vallon du Mardelin, les soldats du fort de la Croisée, à peine remis de la bataille contre le roi des ombres, contemplèrent les ténèbres qui enserraient le marais se dissiper. La victoire leur était acquise, mais de leur chevalier capitaine, il ne restait nulle trace, hormis la cape qui justifiait de son rang parmi les chevaliers de Palivert. Du chevalier capitaine et de la forteresse des ombres, rien d'autre ne subsista qui pût témoigner de leur chute, et à ce jour, leur sort demeure inconnu. Durant l'année qui succéda à la défaite du roi des ombres, Padivert pansa rapidement ses plaies. La garde, les grimentelles, voire les capes étoilées, prospérèrent. Confortés par les exploits du porte-fragment, les soldats de Padivert se firent plus nombreux pour devenir l'une des forces militaires les plus puissantes de la côte des épées. Brelena, capitaine de la garde, sut idéalement en profiter. Auréolée de ses liens avec le porte-fragment et maître du fort de la Croisée, elle brigua un siège au conseil de Padivert avec succès. Elle s'y employa à consolider les relations diplomatiques avec Eau Profonde et l'alliance seigneuriale. Béville, meurtri par les événements de Port-Nuit et par la Seconde Guerre de l'Ombre, déserta bientôt l'armée de Padivert lors d'une mission de ravitaillement au fond à l'Effraie. Il y mènerait désormais une vie d'ermite, à jamais tourmenté par les souvenirs de la guerre. Peu après la guerre, Daegun disparut. La rumeur circula d'un rôdeur demi-elfe écumant les terres de Férune, aspirant à retrouver le porte-fragment, l'enfant qui lui fut enlevé au cours de la guerre contre le roi des ombres. Durant l'année qui succéda à la défaite du roi des ombres, les habitants de Port-Nuit regagnèrent leur foyer et, honorant leur réputation de ténacité, relevèrent lentement leur village de ses ruines. Ils vivent toujours aux abords du marais et s'illustrent plus que jamais par leur force de caractère. La ferme de Chandragero ne tarda pas à tomber en ruine. La propriété dévastée par les animaux et les pillards dégorgés par les grottes et ruines voisines, la nature reprit promptement ses droits, effaçant toute trace de son existence. Chandragero subit le même sort que son aïeul, sa vie et son histoire à jamais oubliées, comme le furent celles d'Amon Gero. Le fort de la Croisée prospéra au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre de l'Ombre. Inspiré par l'exemple du porte-fragment, le lieutenant Cana reprit les rênes du fort et, secondé de Videl, contribua à ramener l'ordre dans la région et à y établir une importante route commerciale. Les Gitianki et leur reine Lich ne firent plus parler d'eux. Chassés de la côte des épées par le porte-fragment, ces prédateurs regagnèrent leur citadelle du plan astral. À jamais, peut-être. Les sages, parmi les plus illustres de tout Férune, n'ignorent pas qu'un long voyage attend quiconque détient pareille lame, dans les royaumes et au-delà. Mais cette histoire reste encore à conter. Eh bien, mesdames, messieurs, ça y est, le jeu est enfin terminé. La fin est une merde de difficulté sans nom. Je suis déçu de cette fin. Le dernier acte, l'acte 3, il est un curseur de difficulté. On est passé de 2 ou 3 difficultés à 20 milliards. C'est le gros point noir de ce jeu, ça me détruit. Mais ça y est, j'ai tenu ma promesse. Une des promesses que je voulais pour cette année, c'était de finir le jeu principal de Neverwinter Nights 2. Sûrement, vous allez me dire que j'étais pas assez au niveau,
que bah c'était que j'aurais dû refaire un personnage un petit peu plus fort, que j'ai pas pris les bonnes quêtes, que j'ai pas fait les bonnes choses. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal que le jeu soit aussi dur. Et surtout ce dernier acte dans le sanctuaire où je ne peux absolument pas me reposer, c'est impossible. En fait, c'est impossible de jouer normalement. Très clairement, c'est impossible de jouer normalement. Par contre, faut m'expliquer pourquoi. Alors peut-être que je vais réussir à le changer pour vous. Et on remercie les testeurs français, bien sûr, Mathilde Locu. Peut-être que vous l'aurez pas parce que je l'aurai changé et j'espère pouvoir le changer pour vous. Mais pendant toute la cinématique de fin, j'ai eu un bruit d'éclair en boucle, ça m'a pété l'oreille droite. Je vais essayer pour vous de le trouver dans une meilleure qualité et sans ce bruit. Mais je pense qu'en fouillant les fichiers du jeu, ça doit être possible. Mais c'est horrible. C'est horrible. L'acte 3. Bah, la personne qui a fait l'acte 3, qui a fait le test, non, je lui dis pas merci. Mais en tout cas, ça y est. Merci Neverwinter Nights 2 quand même, merci Forgotten Realms, merci Atari. Mais la fin, ouch. Et on revient ici, j'ai rien débloqué. Je suis en quelle difficulté là que je rigole un peu là. Je suis en difficulté normale, vous vous rendez compte de la difficulté normale, comment elle est dure? Vous imaginez en très difficile ce que ça fait? J'en peux plus. C'est pas normal, au secours. Alors est-ce que j'ai accès? Non, ça c'est les crédits qu'on vient de voir. Est-ce que j'ai accès au... Ah, j'ai pas accès aux cinématiques. Ah, c'est dommage. J'ai pas accès aux cinématiques comme dans le premier. Bon, bah, je vais quand même me débrouiller. En tout cas, ça fait 2h30 d'affilée que j'enregistre. J'ai jamais fait une session en un seul coup aussi longue. Mais ça fait du bien. Le jeu est terminé. Le jeu principal est terminé. Dans la douleur. Il était bien plus court dans la longueur que son aîné. Mais non, c'était sympa quand même. Plein d'histoires. Il y a des quêtes que j'ai ratées. Il y a des sous-quêtes dans la méta que j'ai pas pu réussir, notamment avec Chandra et avec Nishka. J'ai raté sûrement des opportunités. J'ai raté des opportunités pour leur parler, pour m'améliorer, je pense. Dans le concept de... Alors c'est pas karma, c'est influence. Ça a été compliqué. J'aimerais avoir vos retours. Vraiment, vos retours. Pour ceux qui ont fini Neverwinter Nights 2 legit, du coup, que ce soit sur la version d'époque ou sur la version Enhanced. A priori, la version Enhanced corrige énormément de choses. Mais j'aimerais avoir vos avis. Parce que... c'est compliqué. Vraiment compliqué. En tout cas... Mesdames, messieurs, retenons que l'aventure est finie, mais il reste, pour ma part, deux extensions à faire, à savoir Storm of the Ear et le second que je vais tout de suite aller regarder parce que j'ai les boîtes du jeu juste à côté. Storm of the Ear et Mask of the Betrayer, je vais essayer de les faire dans l'ordre de difficulté parce que si c'est comme l'autre... et qu'il y a une extension qui est extrêmement simple et l'autre où c'est quasiment possible. Bon, voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette périple qui aura duré beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. Je suis conscient que j'ai pas pu enregistrer autant que je voulais à cause de plein de choses et malheureusement ça a joué, mais c'est fini. Je vous invite à me suivre sur les réseaux qui vont s'afficher sur l'écran maintenant et à me suivre évidemment dessus où j'annonce un petit peu ce qui se passe dans ma vie et l'actu, etc. À venir sur Twitch aussi, on est actuellement bientôt 200, donc peut-être 200 avant la fin de l'année, je ne sais pas, peut-être. Merci à tous, beaucoup, pour avoir regardé cette session ou toutes les autres vidéos. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine pour... peut-être la suite de Neverwinter Nights 2 et sûr et certain pour une autre vidéo.